Salut tout le monde, c'est Bijoudro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais réaliser un top 5 de mes meilleurs dessins. Donc pour réaliser ce top 5, je vais les départager par beauté surtout du dessin et par l'engouement que j'y ai accordé pour le réaliser. Donc il n'y aura pas forcément les dessins les plus beaux, mais au moins ceux que je préfère. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si tu aimes bien le contenu. Donc moi je vous laisse avec le top 5. Let's go. Donc en cinquième position, je vais y mettre mon Vegeta SSJ Blue. Donc la particularité que j'aime bien sur ce dessin, c'est le corps qui est franchement plutôt pas mal. La coloration, franchement, je pense que je l'ai bien réalisé. Après, je trouve que les proportions des jambes sont un peu loupées. Mais sinon, bah, c'est un bon dessin, donc il mérite le top 5 de mes meilleurs dessins. Ok, alors pour le top 4, je vais y mettre mon Minato. Donc ce que j'aime bien sur ce dessin, c'est la colo qui est plutôt bien faite, je trouve, et les proportions qui sont super bien. En vrai, je trouve pas trop de défauts sur ce dessin parce que je trouve que j'ai vraiment très bien réalisé. C'est juste que bah, les autres sont beaucoup mieux que celui-ci. Mais sinon, bah, je pense que c'est un dessin qui est plutôt pas mal. Donc il mérite son top 4, tout simplement. Donc pour le top 3, les amis, je vais choisir mon dessin de Madara Uchiwa. Donc ce que j'aime bien sur ce dessin, c'est que ça a été un de mes premiers dessins où il y a plusieurs personnages donc, qui représentent tous Madara Uchiwa dans toutes ses formes. Et ça a été vraiment mon premier dessin structuré avec plusieurs personnages, avec du coup un croquis un peu plus difficile à faire. Et c'est pour ça que je le mets en troisième position. Car en fait, simplement, j'y ai pris beaucoup, beaucoup de temps à le faire et j'ai vraiment kiffé. Et le résultat est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'il mérite bien sa troisième position. Donc on se rapproche du top 1 avec ce dessin de Kakashi contre Obito dans ce top 2. Donc si je l'ai mis dans cette position les gars, c'est que franchement je kiffe le dessin, j'adore le rendu. Ça a été vraiment un de mes premiers dessins vraiment complets en fait on va dire, où j'ai pu compléter toute la feuille. Et franchement j'y ai passé pas mal de temps sur le croquis pour réaliser tous les petits personnages. Ça raconte l'histoire de ces deux personnages que j'adore leurs histoires sur le manga Naruto. Donc franchement rien à dire, en plus j'y ai pris un peu de temps avec les crayons de couleur, le marqueur ça allait. Donc je pense qu'il mérite très bien son top 2. Et donc les amis, pour ce top 1, je mets ce dessin de Sasuke et Naruto, les amis. Donc si ce dessin est en top 1, c'est parce que j'aime bien le rendu. Et j'y ai passé beaucoup de temps sur les crayons de couleur car c'est vraiment long. Vous voyez que pour avoir cet aspect un peu marqueur, j'ai dû vraiment, vraiment passer plusieurs couches. J'y ai vraiment mis beaucoup de temps. Et j'aime bien le rendu et franchement, ben... Rien de mieux qu'un dessin au crayon de couleur plutôt qu'au marqueur, je trouve. Et donc, voilà, il mérite bien son top 1.
Et voilà, ce top 5 est terminé. Donc sachez que même si certains dessins sont plus beaux que d'autres, c'est vraiment moi qui les ai classés. Donc vous pouvez les classer autrement vous. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment mes dessins que j'adore. Et peut-être que par la suite, d'autres viendront à la place. Donc voilà les gars, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne les gars. Ciao tout le monde.